Eh bien bonjour à tous. Alors première vidéo depuis très longtemps je sais. Je sais même plus à quand remonte la dernière, faudrait que je vérifie ça. Mais j'ai une bonne raison, j'ai des concours à préparer, ma licence à finir. Donc là c'est bon, j'ai dit ce que je voulais. Et je suis arrivé au Bénin il y a 2 semaines de ça, le 31 octobre, pour une formation, pour un stage. Et c'est la première fois que je voyage en dehors de France sur une aussi grande période. Je vais y être pendant 5 mois. Et première fois pour l'Afrique aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris une belle leçon de vie, un peu du voyageur, à mettre dans le petit carnet du voyageur à faire. C'est qu'il faut toujours avoir de l'argent sur soi, du cash, je ne le savais pas. Et ça m'a causé bien des ennuis. Donc l'histoire, elle est assez stupide. C'est tout simplement, en fait, avant de partir, j'étais allé voir ma banque pour m'assurer que je pourrais dépenser du cash, tout simplement dépenser, payer ou retirer de l'argent au Bénin. On m'a dit qu'il n'y aurait aucun souci. Du coup, en fait, en arrivant ici, je connaissais quelqu'un déjà qui m'a échangé des euros contre le franc CFA, donc la monnaie locale. J'avais que ça. Et là, ce week-end, en fait, je voulais avoir un petit week-end au bord de la mer, tu sais, un peu à Grand Popo. Et du coup, en fait, j'ai fait une escale à Cotonou pour dormir ici le soir. Et en fait, je me suis rendu compte ce matin que l'hôtel ne prenait pas la carte, que je n'avais pas de cash sur moi parce que j'avais tout dépensé déjà. Et que surtout, il n'y avait aucun distributeur automatique qui acceptait ma carte. Donc voilà, je n'avais pas d'argent pour l'hôtel, je n'avais pas d'argent pour le taxi. Et ça a été assez dur, ouais, à trouver. Au final, j'ai dû appeler quelqu'un qui habite à Cotonou, qui m'a avancé l'argent, que je dois rembourser maintenant. Wow. Donc non, à mon avis, règle d'or du voyageur, toujours avoir du cash sur soi. Mieux vaut en avoir trop et jamais en avoir besoin que ne pas en avoir et en avoir cruellement besoin.